Des démonstrations intérieures et extérieures, de sport, culturel, d'échange. Tout a déjà été dit. Enfin, moi, je remercie. Déjà, je suis très contente d'être là. Et merci également aux élus Walidana, Anne-Nicolas Jacques et puis David Adenuga d'être présents avec moi ce jour. On est très heureux d'être là parce que vraiment, c'est la première fois que ce type de manifestation est organisée sur les Bois Blancs. Avec bien sûr le partenariat du quartier de Vauban-et-Cannes. Donc je remercie le FCP, le Boxing Club des Bois Blancs, le Chalet pour cette organisation. Je remercie toutes les associations qui sont présentes, donc une quarantaine d'associations des deux quartiers. Merci à vous. Merci pour le travail que vous faites au quotidien, parce que si vous êtes là aujourd'hui, voilà, c'est une journée exceptionnelle, mais on sait que vous travaillez au quotidien sur nos quartiers et ce que vous faites, voilà, on ne serait pas capable de le faire. Donc merci beaucoup à vous, merci aux bénévoles qui œuvrent au quotidien, bénévolement. Et c'est vous qui faites la richesse de la ville et des diverses associations qui sont présentes. Enfin, vraiment, je pense que c'est une réussite, donc on espère que ça aura lieu également les années prochaines. Voilà, merci beaucoup. My rust, breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh. Eh bien, bonne fête à tous. Et j'espère que tout marchera bien. Assaut en fait a démarré en mars 2015. Il émane de l'équipe éducative du FCP à Lille. Notre volonté était de promouvoir les associations œuvrant sur les quartiers Bois Blanc et Vauban et Kerme, mais aussi de permettre aux habitants de ces quartiers d'accéder aux différentes activités sportives et culturelles. Ce projet a fédéré une quarantaine d'associations des deux quartiers. Ainsi, les habitants ont pu venir à leur rencontre afin de découvrir les différentes actions qui leur étaient proposées. Durant ce moment festif, les bénévoles ont pu échanger avec les habitants et de nouveaux liens se sont tissés. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir que toutes les associations, en tout cas la quasi-totalité des associations de Vauban et Kerme et de Bois Blanc, soient réunies pour une action commune. Je pense qu'il est important, quand on veut faire développer le vivre ensemble, que les associations elles-mêmes montrent qu'elles sont capables de vivre ensemble et de porter des projets communs. Et là, aujourd'hui, c'est une vraie réussite. On voit qu'il y a une ambiance agréable, tout le monde est détendu, sympathique, heureux d'être là. Là aujourd'hui, l'interquartier est une approche plus large qui permet effectivement aux gens de Vauban et Kerme et de Bois Blanc de se rencontrer et de développer des actions en commun. Il y a rarement d'occasions où les associations prennent le temps pour se poser, mais là c'est une autre formule, tant mieux. Et puis ça a l'air de bien prendre, tant mieux aussi. Straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, oh,
dans le rôle de l'éducateur ou de tout ce qui est FCP, il faut des événements, des moments où on regroupe les gens, parce que notre action qui est soit collective, soit individuelle, n'est pas toujours lisible facilement. Donc le fait de se regrouper avec l'intergénérationnel, des publics mixtes, des associations qui interviennent sur d'autres domaines que nous, ça montre qu'il y a un potentiel de développement territorial fort et c'est rassurant pour tout le monde. Il y a et en même temps des collectifs d'habitants et des assos organisés, donc ça c'est bien, on sent qu'il y a une dynamique et on sent que c'est porté quand même hein, par des professionnels. Quoi vous dire d'autre, il fait beau, il y a du monde. Mais c'est pas un détail. Non, parce que ça joue beaucoup, ça. Le fait de se faire rencontrer les gens sur des espaces de vie comme celui-ci, dans notre région, le temps il est essentiel. Mais au-delà du temps, c'est l'accueil et toute la dynamique qu'il y a autour. Quoi. Et là-dessus, il y a quand même une équipe qui se réunit depuis le mois de juin, au mois de mai, je crois, autour de cette dynamique-là. Donc voilà, le résultat, il est là. Aujourd'hui, il faut espérer que les gens comprennent bien, que les associations sont bien des plateformes d'engagement pour eux et qu'ils viennent nous rejoindre à continuer l'aventure. Pour la réalisation de cet événement, l'équipe éducative de Lille s'est mobilisée autour de différents partenaires opérationnels. L'UTPAS, le Boxing Club des Bois Blancs, ainsi que le Chalet. Cela a permis au FCP et ses différents acteurs de fédérer une quarantaine d'associations sur les deux quartiers. À cette occasion, un chantier éducatif a été mis en place. Regroupant une dizaine de jeunes issus des deux territoires, ces derniers ont prêté main forte aux professionnels tout au long de la journée. Asso en fait marque aussi un temps fort pour les éducateurs et les formateurs qui se sont impliqués pour le bon déroulement de ce projet. Let's go get away. They say what they're gonna say. We had a drink, clink, found the Bud Light. Bad bitches like me is hard to come by. The Patron on, let's go get it on. Zone on, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow up all my money and don't get busy. I'm on the floor. One more time.